Et bonjour à toutes et à tous, c'est TS25 et on se retrouve sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et retrouvons Elena McLutini. Enfin, vous, vous la retrouvez la semaine qui suit, moi je la retrouve, ça fait un mois. C'était la semaine dernière pour vous, moi ça fait un mois. Alors, donc si je me souviens bien, on avait fait la livraison des choux et on faisait pas mal d'épreuves de Merlin pour pouvoir agrandir notre inventaire. Et on était retourné à la salle sur demande, bien sûr, comme d'habitude. Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous avez le lien du Tipeee dans la description. Et là, c'est parti. Ça, on a déjà récupéré. Ça aussi, ça aussi. Moi, je comprends pas pourquoi je l'ai pas au centre. Géant décalé, c'est bizarre. Déjà je me disais ça dans la dernière session de tournage, je trouvais ça bizarre de l'avoir en décalé. Mais bon, peut-être normal, hein. Je vais voir les options quand même. C'est vrai que j'aurais pu faire ça sans vous. En qualité des effets c'est pas ça, je vais montrer plein écran, enfin plein écran du coup. Ah, j'active la V5 parce que moi sinon ça me fout la gerboise. Activer, désactiver cette option pour activer la meilleure réduite de pression. Ouais. Mode gaucher, non. Mode arachnophobie, non, puisque je mets des alertes araignées. Je sais pas, bon, bah, tant pis. Alors, les talents, on avait des talents à dépenser, je crois qu'on les avait gardés pour plus tard. Un descendo qui fait une onde de choc, ouais, peut-être sympa. Attaquer un ennemi gelé par Glacius, projette. Ah oui, c'est bien quand même. Je dis pas assez souvent Glacius, mais c'est bien. Levioso, tu fais éviter plusieurs personnes. Répulso plusieurs personnes, bof. Axio plusieurs personnes, c'est pas mal. Comme j'ai un combo Axio et Incendio, ça les. Comme il y a le. Sur Incendio, il y a. La zone d'effet, c'est pas mal. Expertise du Protego, si vous bloquez un sort avec une parade Protego parfaite, deux projectiles seront envoyés, ouais. Il y a une explosion brisant les boucliers ennemis, d'accord. En plus, ça les repousse. Ce serait pas mal de mettre là-dedans. Le cœur en furtivité, on a tout mis. Ça sur demande. Prends invulnérable et renvoie les projectiles lancés, ouais. C'est déjà le cas. Enfin, nous l'aurons déjà invulnérable. Question de visibilité, futur plus longtemps. Chaque chou mordeur de chine lancé, un deuxième est généré. En fait, on lance deux choux mordeurs de chine au lieu d'un. Augmente les dégâts et attaque et brise les boucliers. Ah, bien ça. Après, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop utiliser, mais bon. Augmente les effets d'immobilisation des mandragores. Augmente les dégâts et la portée. Attaque vénéneuse, inflige des dégâts supplémentaires et brise les boucliers. D'accord. Durée des effets de potion de concentration sera allongée quand n'importe quel sort de l'ensemble de sorts sera lancé pendant son utilisation, d'accord. J'utilise jamais les popos. Si c'est nul, je sais. Ouh, quelle est classe. Ah, j'aime cette classe. Qu'est-ce qu'on a à faire comme quête? Voyons voir les quêtes. Le homme d'Urgot, les clés du dédale, faut qu'on en trouve deux, les deux qui manquent, la fugitive pas de suite. Et l'homme derrière les lunes, on en a. Je sais plus combien on a de demi-lunes. Ah non, demi-lune c'était le personnage dans Indiana Jones. C'est 5, il m'en manque 4, ok. Combien on a eu de demi-guise, voilà. Eh ben. Hop. On s'en va. Il faudrait qu'on fasse l'homme d'Urgot, mais il y avait des trucs que je voulais faire avant.
On a fait tout le tour de Fellcroft. Ça, c'est bien. Quand on n'a pas fait ces énigmes, ces épreuves de Merlin, il y a quoi là-bas? Un petit campement de bandits qu'on n'a pas fait, d'accord. Ici aussi. Je ferais bien Fellcroft. Il y a ça aussi qui m'intéresse. Ici, on a plein d'épreuves de Merlin, donc on pourrait faire ça. La source de magie ancienne et faire les épreuves de Merlin derrière, ouais. Et en plus, on a juste à côté d'un téléporteur. Une flamme de cheminette, voilà. Chercher le mot. Des deux derniers épisodes ont eu des araignées, j'espère que celui-là, il n'y en aura pas. On verra, hein. Pas non plus... C'est quoi là-bas? C'est des chiens? Non, c'est des araignées. J'espère qu'il n'y en aura pas. Bah tiens, qu'est-ce qu'on trouve? Des araignées, youpi. Eh ben... Bon, c'est pas encore une alerte, puisque on les a pas vus. Et que je pense pouvoir les éviter, j'espère. J'ai envoyé là. C'est juste en face, ok. Déjà, on évite les araignées si on va là-bas. Sauf s'il y a des araignées dans le coin. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Du moulou là, Léna. Des chiens. Bon, les chiens, ça va. On va se planquer. Hop. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Axio, il prend deux. Incendio, ça crame tout. Parce que bon, le problème... Petit problème d'Incendio quand même, c'est que il est pas... Comment dire... Pas trop vite. Il a pas une énorme portée. Même avec la zone d'effet. Hein. Mais il est plus intéressant avec la zone d'effet. Parce que lui tout seul, il est pas intéressant. Alors, voyons voir où sont les trucs. Il y en a un là. Là, on récupère. Aussi, et comment je fais pour rentrer là-bas, moi? Ah, elle est là. Il nous a mis de la musique triste. C'est triste. Je pouvais péter ça, ok. Oups. Il va m'atterrir ici? Non, c'est bon. Il tardit pas d'atterrir, c'est bon. Boum. Et boum. Ah, faut pas avoir peur. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Pardon. Il aurait été outré, le petit The Valley. Il aurait été totalement outré. Ah, il est tombé. Ah, des grisopes. Des chèvres, des moutons, les moutons. Oui, pardon, le mouton. Au revoir, le mouton. Eh oui, oui, ben, ça, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, épreuve de Merlin. Par là.
Où est donc cette épreuve? Ah, ici. Il y a un notable ennemi connu là-bas. Ah, on peut pas rentrer ici. Ah, il y a une barrière. Là, il y en a une épreuve. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Ah, mais c'est vrai, je crois qu'on avait plus de move douce. Je crois. Action. Allez, viens. Petit, petit, petit. Non? Oh, bah. Wingardium Leviosa. Rapproche-toi. Éloigne-toi. Sûr si je te fais tomber là. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Tu vas direct dans le trou. Non? Non, pas du tout. Non, je crois que c'est un chien là-bas. Il est où? Il est là? Bah, bah, il est là. Voilà. C'est bon. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. T'as tout à fait raison. Alors là-bas, chien ou araignée? Chien. Oh, c'est rapide pour les tuer. Je savais pas que c'était un exploit duel. Je regarde jamais les exploits duels. Donc... Ok, il y a des trucs à récupérer ici. Rien d'autre? Il n'y a rien d'autre. Alors l'épreuve de Merlin, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des gens. Des gens et un chien. Quand les nuages sont noirs... Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça. Les créatures ça te va des pas environs dormiront un peu plus sereinement. Non, si ça te va pas, tu le dis. Hein. Moi, j'ai rien contre. Hein. Toujours un peu susceptible quand même les mages noirs. Oui, tu peux pas me faire ça, t'as pas le droit de me désarmer. Oh les chats. C'est pas gentil de m'avoir glacé. Par contre, ils font des Avada Kedavra. Ça les dérange pas. Sur des gamins. Ah, les œufs de serpent cendre. Et le jeu me dit de passer par là, d'accord. Dungeon, the area is considered dangerous by the Ministry of Magic. D'accord, ok. La zone est considérée comme dangereuse par le ministère de la magie. But this here is not... Je sais pas ce que ça ce qu'il dit. Oh, notre chat. Et il considère ça dangereux, d'accord. Ouh, il y a un fangu.
Enfin, le jeu, c'est cool. Bien sûr, c'est sur la bonne barre. Elle est où cette épreuve de Merlin? Elle est pas ici, qu'est-ce qu'il me raconte le GPS là? Elle est plus vers là-bas, non? Ok, ça, on n'ira pas la voir. Ça va, j'ai le droit de prendre le balai. Ok, ça me bloque. Non, pas ça. Allez, fais-moi descendre. Oh, ça me bloque. Le jeu, il veut pas que j'aille emballer, bon, je comprends. Ah, oh. Ah, ça glisse. Passer en fait. Et le jeu ne veut pas que j'y aille. Ah puis là il y a une grande falaise. Non, tu veux pas monter? Eh bien le fangieux. Dans le château peut-être. Et du coup c'est pour ça que je peux pas y aller. S'il faut aller dans le château, c'est une quête. Un truc dans le genre, qu'est-ce que ça dit ça? No trolls, ok. Un jeu rouge, no troll. Il y a un ennemi connu derrière. Ah je peux pas prendre de balai là, d'accord. Vas-y, efface-moi ça, voilà. M'en fout de ça. Bon, tant pis. Oups. J'avais bien que je ferais l'erreur à un moment donné. Du coup, c'est quoi ça? Château de Falbarton, d'accord. Eh ben, on va la celle-là plutôt. Comme d'ailleurs, hop. Ça ira plus vite. Tant pis. Je veux pas qu'on passe, on passe pas. On va voir Gandalf qui est passé. Il a fait, vous ne passerez pas. Et... Ça pas. Alors je vois des bosquets mais je vois pas d'araignées donc c'est bon. Je sais pas qu'elles étaient là tout à l'heure en plus. Ok. J'ai vu l'épreuve de Merlin. J'essaie de vérifier en même temps, hein, de... avant de me lancer, qu'il n'y en ait pas. Et comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai déjà dû le dire. Je... C'est pas anodin si je fais le jeu en... sur le mode arachnophobie, mais fois, que je préviens, parce que j'ai ma compagne qui est arachnophobe, ou je sais ce que c'est. Je peux comprendre, puis bon après moi aussi j'ai des phobies, hein. Moi c'est... j'ai la phobie, j'ai les vertiges, donc... qui est phobique, c'est moi. Donc je peux comprendre, c'est pour ça que je vérifie avant. J'essaie, j'espère d'ailleurs, vous me direz en commentaire si c'est pas le cas. Hein. Faut le dire d'ailleurs sur la vie des vidéos, même les autres, hein, les anciennes, si c'est pas le cas, je regarde tous les commentaires, je réponds à tout le monde.
Si c'est pas le cas, ouais, que faut me le dire, hein, que qui va pas, que bah, j'ai mal coupé, j'ai mal chapitré. Sur le chapitré, en fait, c'est pas tant coupé. C'est d'avoir les chapitres assez. Comment dire. De démarrer assez tôt et même un peu plus tôt que la rencontre et l'arrêter assez tard. Bon, je peux faire des erreurs. Alors, il y en a un là, un là. Et où le troisième? Ah, il est là-haut, d'accord. Alors, voyons voir. Ah, celui-là, qui est pas très très grand. Celui-là, il est un peu plus grand, j'ai l'impression. Le troisième. Donc, il est troisième. Il est là. Celui-là, il est vachement long. Ok. Celui-là, il est plutôt court. Celui-là aussi. Bon, attends. Est-ce que je peux avoir le vachement long d'ici? Je vais péter ça. Je peux t'avoir d'ici, toi. L'autre, il faudra juste que je cours ici. Yes, je peux l'avoir aussi. Ah bah, je peux avoir les trois, tiens. Parfait. Ah, il est bien descendu quand même, le premier. Mais c'est parfait. Oups. Erreur. Désolé, vous avez une micro-pause. J'ai oublié de faire un raccord, c'est chiant. Parce que j'ai fait une boulette. Non. C'est ça que je voulais faire. Je pouvais pas le prendre. D'accord. Pomper de bouton. Alors ici on a fait le truc des Rodianas, non c'est pas le rôle des Rodianas, c'est source de magie ancienne, on va faire celle-là. On a encore à faire. Hein. Après il faudrait qu'on aille vers Felcroft. Je ferais bien les... Je finirais bien les... de Merlin là qu'on a d'accessible. Notre hall ici, enfin notre source de magie ancienne. On va faire les deux. On va faire celle-là. Alors, il y a une entrée d'araignée. Grotte de la collectionneuse. Ah, un dragon. Ou, est de la région de Poudlard. Non, grotte de la collectionneuse. J'espère pas tomber sur des araignées. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Oui, je suis d'accord. Et est-ce qu'on a... faudrait qu'on regarde les défis, tiens. Dans les défis, c'est quoi déjà? C'est... je sais plus. C'est Explo, je crois, hein. Exploration. Ah, il nous manque 7. Parfait. Et ça, on peut le déverrouiller. Il nous en manque... ah oui, nous en avons quelques-uns quand même. Il nous en manque... 11. Plus... là, on va en faire 2. Ou... par deux, il va nous en manquer 9 quand même. Ça fait un peu. Plateforme d'atterrissage, il nous en manque 2. Toi, il nous en manque 7, ça va. Toi, défi verrouillés, c'est quoi défi verrouillés là? Réseau des secrets de Poudlard. Ouais, qu'on le fasse aussi ça. Lui, à un moment donné, il va falloir qu'on reste un petit peu à Poudlard, qu'on se balade. Encore pas mal de choses à trouver. Chien. Il
Ok, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? J'ai pas l'impression. Peut-être des inféries. Ça a marché. Alors, peut-être des inféries, mais je suis pas sûr. Ok. Les deux autres sont sous le sol. Eh ben c'est parti. Ouais, vas-y, vas-y. Pouf. Un derrière avec un coffre. Là, il y a des os. Des os. Ok, ça ouvre ça. Ça ouvre ça, parfait. It's Ferry. J'ai pas eu cette Sniffery là. C'est bon, il m'a fait l'escalier. Ah, je savais qu'il y aurait des Inferi. Oh, il y a Inferi. Hop. Mais ils n'ont pas eu. Alors, où allons-nous maintenant? Ici. On a eu d'ailleurs le camp qui était juste à côté. C'est le jeu qu'il faut que je dépense mes points de talent, mais bon. J'attends un petit peu. Je suis en pleine réflexion. Ouh, ça sent l'Inferi aussi. Non, ça sent les araignées. Bon, hop. Allez, hop. Ah, un centaure. Joli centaure. Alors, on se planque. Et on fait péter. S'il y a des œufs, passe leur. Il y a des araignées pas loin. Des œufs partout en bas. Après ça va, elles sont en bas. Où il y a du gros là. Hé, vous avez vu votre coffreur. Quelques-unes. Bon, voyons voir déjà, on va faire péter tous les œufs. Et on va voir s'il y en a une grosse qui va nous attaquer ou pas. Pas sûr. Et on fait péter tous les œufs déjà.
Au moins, je vois personne. Possible que on se fasse pas attaquer ici. Elles avaient colonisé, mais personne. Un gros carré. C'était un gros carré à mon avis. Alors voyons voir. Confirme. Mais fais tout crâne. Incendio. Mais parce qu'elle dit fort, Confringo, par contre Incendio. On le dit doucement. Incendio. Je suis pour les araignées. Ça me rappelle quelqu'un ça. Bon, voyons voir où ça nous mène. Ok. Donc derrière ça, un là-haut. J'en vois un là-haut, ouais. Ouais, ça me réfléchit que parce que j'ai essayé de les détruire, hein, donc. Sur du moment où j'essaie de les détruire, ce serait sympa. Quand même, je n'aime pas. Et il est où le troisième? Où encore? Plus bas. Ah là-bas. Voilà. Pourquoi je me suis dit tu veux les araignées? Mais bon, vu qu'on a fait une alerte araignée, on va pas. Que non, on va pas aller se battre contre elle, comme ça au moins, il n'y aura pas d'alerte araignée. On va détruire que des toiles et des œufs. Juste là, je la mettrai, mais je l'enlèverai. Vas-y de suite. Croft pour voir ce que je pourrais y braconner. Alors, hop. Ah ouais, t'as raison, il faut t'étirer. Oh. Fatigué. Eh, fatigue. Par contre, avec la fugitive, non, c'est pas une quête pour nous pour le moment, puisqu'on n'a pas le niveau. Alors, soit on fait les épreuves de mer à main qui nous restent ici et là, soit on avance sur la quête principale. Non, on va faire les épreuves de mer. Deux qui nous manquent. Et pour comme ça, au prochain épisode, on avancera sur le Homme d'Urgot. Possible qu'entre les sessions de tournage, je loot les demi-guises, je cherche les dernières clés. Parce que ça risque de prendre un peu de temps. Y'a plus personne ici ou quoi? Une table d'astronomie? J'ai l'impression qu'il y a plus personne. Non. J'ai juste envie de faire mes épreuves de Merlin, c'est tout. Ça c'est pas les... Soit c'est les statues à péter, soit c'est les statues à refaire. Je pense que c'est les statues à péter, ça. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Confringo.
Assez de portée, ma petite. Ah, heureusement que c'est pas timé ça, parce que c'est long sinon. Et voilà, c'est réglé. Voilà. C'est réglé, comme elle a dit. Mais elle l'a si bien dit, c'est réglé. Deuxième, elle est où? Je suis pas fou, j'ai bien vu, hein. Je l'ai rêvé. Une seule épreuve de Merlin dans le coin. Si, quand je dézoome, c'est bon. On les voit quand même, donc non, on a plus une seule épreuve de Merlin dans le coin, d'accord. Bah, c'est très bien ça. Ah ben, on est parti, on va aller faire. On va aller après Ola. Il faut qu'on aille ici, au home de Kot. Et là-bas, c'est la, oui, c'est la fugitive, donc on s'en fout. Aller après au lard, mais avant juste se rendre à celle sur demande. Je sais pas si on n'a pas quelque chose à rendre ou pas la question. Ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai 4 slots de magie ancienne. Ah, c'est cool. Cope de courage et écharpe clé anthracite. Ok, vite pour tout récupérer. Hein. Mettre de l'ordinateur parce que je veux plus de rendement. Plus de rendement sur la mode douce. Voilà, bon. Ah, j'ai trop de mandragore, c'est ça? Ça se voit? Ouais. J'ai plein de mandragore, ok. Vraiment que je réorganise ça. Bref, voyage. Et la Wing and Well, on l'a trop. Alors, je demande si tu pouvais me faire 6 Wing and Well maxima. Parce que j'ai utilisé alors qu'il fallait pas. On est full en tout à part en chou mordeur de Chine, ok. Parfait ça. Ah bah celui-là, il y en avait une derrière de Maxime. Tant pis. On pourra la récupérer celle derrière. Hein. Ah tant pis. Je vais encore l'oublier la prochaine fois, vous inquiétez pas. Ce qu'il y a là. Ah non, il y a rien, c'est bon. Ouais, les marmites sauteuses, ça saute bien. Si beau, c'est bon, allez. Bah du coup, vu qu'on va après au lard, ouais, on va aller voir notre copain Pipin. Pipin potion, potion Pipin. Je sais pas pourquoi je vends toujours à lui. Partie perso, j'ai toujours revendu à lui. Si vous avez besoin d'aide. Il vend pas plus cher que les autres. Hein. Mais souvent j'allais à lui pour revendre. Ok. T'as des trucs à me vendre toi? Non, t'as rien. Je sais pas combien j'en ai d'odeurs de mort en plus. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Bientôt.
Allez, direction. Je sais plus comment il s'appelle, mais. Trois balais, voilà. Ça, c'est ça que je cherchais, c'était ce nom. Ring. Mais je ne vous remercierai Oula. Jamais assez. Bonjour, ravi de vous voir. Merci. Il est où ton escalier? Il est là. Ah tiens, il y a un truc à récupérer là-bas. Dring. Ah, en plus une serrure nouveau. Allô, Mora. Ouh. Je savais qu'il y avait une serrure. Et voilà, c'est allô, Mora. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, cool. Salle privée des trois vallées. Ah oui, ça me dit quelque chose. Pour ceux qui ont regardé les films, vous devez savoir aussi. Ah, la salle privée des trois vallées est un lieu, un espace isolé de la salle principale du pub. Elle est très appréciée des professeurs de Poudlard qui souhaitent éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'intimité loin de leurs enseignants. Ah oui, normal. Et il y a une demi-guise qu'on va s'empresser de récupérer. Et pour ça, il faut qu'on passe à la nuit. Tu es à moi à présent, demi-guise. Oui, parce qu'on a passé la nuit. T'as rien foutu de la journée, quoi. T'es même pas allé en cours. C'est pas bien, tu fais un mauvais coton, Elena. Alors, passe sa journée. Non, quand on est à demi-guise, on s'en fout. Ah, tu fais un mauvais coton. Et du coup, on aurait le home du code à faire. Est-ce qu'on le fait maintenant? Parce que ça risque d'être un peu long. Ou est-ce qu'on le fait au prochain épisode? Et j'attends ici. Dans quel cas, est-ce que j'ai des trucs à faire dans le coin? Ouais, on peut essayer d'aller looter un peu ce qu'il y a dans le village. Si je peux ouvrir les portes. Et demi-guise. Dérobé là, oui. Alors là, il y a un halo mort à faire. Niveau 3. Bien joué, pas de demi-guise. La dame au chat, mais c'est pas de ce côté. Ah, c'est un coffre qui me voit. D'accord. Eh ben, j'ai ce qu'il faut pour toi, tiens. Hop, bip. Tu m'as pas vu. Oui, tu m'as pas vu. Ah, c'est bête, hein. Un truc à faire. Allô, Mora. Ça s'est verrouillé, ça se déverrouillera plus tard. Pareil. Je suis invisible. Vous ne me visibilisez pas. Vous ne me visibilisez pas. Oh là là. Eh oui, c'est bête, hein. Il m'a toujours pas vu. Le copain là-bas non plus, il m'avait pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Niveau 2. Une demi-guise.
Ah bah dommage, c'est niveau 2. Ah, c'est une demi-guise, je veux bien, mais... Là, peut-être... Allez, gros, le canne a quand même sur ce niveau, hein, c'est bon. Normalement, c'est ouvrir deux portes. Parce que des fois, dans les maisons, il y a deux portes. Une fois qu'on a déverrouillé une, ça nous déverrouille la deuxième. Pas d'étage. Mais je pense pas qu'il y ait grand chose à y faire. Ça, c'est un gros cadenas, ça, à mon avis. C'est un Nomura niveau 2 ou niveau 3. Niveau 3. Et ça, ça va être un niveau 2. On peut les repérer au... enfin, la forme des cadenas, du coup. Ouais, c'est ça. Un tout petit cadenas. C'est niveau 1, ok. On trouve un petit cadenas. Ah, là-bas, des cadenas. Bonjour, Livender. Au revoir, Livender. Je savais même pas que je t'avais pas looté, tiens. Niveau 3. Là, je vois qu'il y a un bouquin. Je crois que c'est 8. Comme ça. J'avais exprès fait un... bien raccourci pour pouvoir utiliser Axio. Parce que sinon, ça va avec le... Je sais pas pourquoi, avec le... Allô, Mora. Comment ça s'appelle, hein? Ah. Avec le mode, en fait, ça marche pas. J'arrive pas, en fait, je fais Axio, mais ça veut... La... C'est comme s'il attirait pas la... Comme s'il attirait pas la... La page. Pas de demi-guise ici. Ok, la page est juste derrière. À mon avis, on va pas être très long d'avoir fini les demi-guise ici. Voilà. Page du lit du sorcier, parfait. Du moins les demi-guise faisable. Récupérable. Il en manque quand même encore quelques-unes. Ouh, est-ce que vous avez des demi-guises dans le coin, non? Oui, peut-être, ne se prononce pas. Tant pis, au revoir. Ah, trop gros, trop gros, trop gros, trop gros. Ouais, c'est niveau 2. C'est marrant parce que c'est crocheter les serrures, mais c'est pas crocheter les grilles. Beaucoup trop gros. Ah. Par contre, ça m'intéresse derrière là. Ah, mince, il est dedans. Dommage. Sorcier, des codes de collection. Grand escalier, ok. Une demi-guise en astronomie. Parce que là, il nous en manque. Il nous en faut 9. Simple, 9 fois 9.
Et on en a 6. Il nous en manquerait 3. Si on retourne à Poudlard. Moi, je vais me faner une Gryffondor, je suis Sardaigle. Et en équipement, du coup. On a que du nul. Ceci se comporte. Ok. Charge, je crois qu'elle est nulle aussi. On va la revendre. Raccourci, mais c'est raté. On est où là? Je sais plus où on est. Même pas sûr d'être déjà rentré moi ici. Il y a personne. Ingle et Blatch. Je sais pas ce que c'est. Par où? Là, il y a un truc à ouvrir. Monsieur, comment on accède en haut? En plus, je crois que c'est un petit. Comment pouvoir accéder en haut? Ah, j'ai vu. J'ai vu. C'est par ici. Ah non, c'est niveau 2. C'est pas un petit. C'est un petit. Allô, Mora. Allez, hop. Une demi-guise ici. D'accord, on est chez Onedux. On est carrément chez lui en fait. Ah, c'est chiant ça. Carrément chez le gars, chez Onedux. Préolard, me voilà. Là, je peux donner 10 balles. Non, niveau 2. Ah, en même temps, c'est la même maison, alors du coup, c'est normal. Ça, c'est verrouillé, mais ça ne peut pas déverrouiller du tout. C'est normal. On déverrouillera avec la suite de l'aventure. Allô, Mora. Tôt pour rien, j'ai pas fait gaffe. Ouvert.
Vous en faites pas si je vous y aille, les miguises. Ça vous embête pas hein, si je pique la demi-guise. Si bien c'est pas vous qui l'avez acheté, je pense. Tu es à moi à présent, demi-guise. C'est pas la demi-guise qui m'intéresse, moi c'est les lunes. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Donc on aurait été mieux à rester comme ça. Non. Je t'ai pas visité toi ici. Ah peut-être pas. C'est bien, la réponse est non puisque j'ai pas looté les coffres. J'avais visité la maison. J'aurais looté tous les coffres. Alors, du mot 6, c'est la tech. Ok, une butte. Ok. Il est là. Là, je t'ai vu aussi. Il est sous la lumière, le petit papillon. Et voilà, une page du guide de Préolar et on aura un défi complété. Bon, bah, on va retourner aux trois vallées. On va se laisser là, pour cet épisode. C'est du de la grosse serrurerie, donc... Faudrait qu'on trouve les deux dernières. Ça serait bien de trouver les deux dernières. Ça, c'est des chiffons. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Ah, et en plus, c'est une grande taille de mi-guise. Moi, ça me va, une demi-guise. J'avais une demi-guise. Il me manque plus qu'une. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Ah, ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. Voilà. J'ai tout vu. Est-ce que t'as du bien? Très bien. Oh, t'as du très bien. Uniforme scolaire convenable avec un pull. Ok, ça c'est moins bien. Oh, ça c'est cool, je te le prends. Vous ne le regretterez pas, c'est la promesse Gachifon. 64, j'ai pas vu ce que je t'ai pris. 57, mince. Je le revends. Ah, quoique oui, en fait, oui, je suis obligé de tout acheter. Vous ne le regretterez pas, c'est la promesse Gachifon. On va se ruiner en vêtements. Je crains que ce ne soit au-dessus de vos moyens. En ouais, je sais. Pour l'instant. Tiens, là, je te revends ça, je te revends ça. Ça, c'est à 64. Je te revends ça. Là aussi. 77, 81. 77 ceux-là, donc 76 on peut les vendre les gants. 86. 80 pour celle-là, donc hop, ça on revend. 86, c'est l'autre 87. Vous ne le regretterez pas, c'est la promesse Gachifon. Non, j'achète tout, pourquoi? Pour avoir les skins. Je peux lui revendre, on m'en fout, mais au moins on a les skins. Mais bon. Et un truc non identifié. Vous ne le regretterez pas. Nous vendons 0, c'est la promesse Gachifon.
Après, j'ai plus beaucoup de sous. Ouais, on reviendra faire un petit tour. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Oui, bien sûr, mais c'est prévu. Je viens de le dire. Alors, ça, c'est meilleur. Ça a le droit à son skin. Hop, ici. Le chapeau est bien mieux. Et il est marrant celui-là. On va le garder. Pour une essence. On va le garder tel quel, tiens. Je le trouve marrant. 80. Il va le droit à son skin, bien sûr. Cap. Une ténébreuse, mais j'ai la tenue. D'aventure grise. Ah, elle est pas mal. Allez, on va la garder. On va la garder telle qu'elle, elle aussi. Alors, monsieur Guichifon. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Tout à fait. Tenez. J'ai ça qui m'encombre. Voilà. J'ai 1200. Après, il est vent cher. Bah ouais, tous les skins, mais il vend quand même cher. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Ouais, pas de soucis. Si t'avais une autre demi-guise, je reviendrai de suite. Post office. Ouais, c'est la maison des... C'est pas par là. C'est par là. Trois balais sont... Dervish and Benj, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est en français du coup. Elle fait face à Zonko l'entrée. Zonko elle est là. Zonko est là. Donc c'est ici. La deuxième entrée. Et voilà. On va descendre jusqu'au bar et puis comme ça on se laissera là pour cet épisode. Et à l'épisode prochain, on recommencera directement ici. On devra parler avec Sirona. Et bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.